précédemment dans Mass Effect 3. Commandant Shepard, il paraît que vous avez réglé la situation avec les Geths. Oui, conseiller. J'ai lu les rapports. Vous avez mis fin à une guerre vieille de 3 siècles. Vous avez fait l'impossible, commandant. Je peux peut-être vous fournir de l'aide, moi aussi. J'ai des informations de mon gouvernement, mais elles sont trop sensibles pour en parler sur une ligne non sécurisée. Vous voulez que je vienne à la Citadelle ? Oui, commandant. Merci. Commandant Shepard, merci d'être venu. Vous avez trouvé quelque chose ? La situation devient urgente pour mon peuple. Nous savons qu'il manque à votre creuset un élément clé. Le catalyseur. Vous savez quelque chose ? Pas exactement, mais il y a un artefact sur Tessia, notre planète d'origine, dont seules les hautes sphères gouvernementales ont connaissance. Avec un peu de chance, ça vous permettra de trouver ce catalyseur. L'artefact est gardé dans un temple situé à ses coordonnées. Une équipe de recherche vous retrouvera sur place. Merci pour votre aide. C'est vous qui allez nous aider. Les matriarches désespèrent. Pour la première fois de notre histoire, Tessia est vulnérable. Vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes la seule lueur d'espoir de ce sombre scénario. Que la déesse vous protège. Et le temple, vous pouvez contacter les scientifiques? Négatif. Tous les canaux sont brouillés sur tout le spectre. La mission s'annonce plutôt risquée. C'est bien trop important. C'est maintenant ou jamais. Shepard, c'est ma planète. Je dois y aller. Alors, à la navette et c'est parti. Yara, vous avez d'autres infos sur cet artefact ? Les coordonnées fournies par le conseiller correspondent au temple d'Atamé. J'y suis allée avec ma mère. Il a plusieurs milliers d'années. Et pour une raison mystérieuse, il reçoit aussi un financement du gouvernement. On dirait qu'on est sur la bonne voie. Et si on arrivait trop tard ? Mon peuple est en train de mourir. Votre empathie vous perdra. Tâchez d'être plus insensible. Benedia vous a emmené dans ce temple ? Quand j'étais enfant, je croyais que c'était juste une leçon d'histoire. Mais maintenant, et si c'était plus que ça? Que voulez-vous dire? J'ai fouillé dans ces vieux dossiers. Elle gardait des archives cryptées de ce lieu, dont certaines avaient plusieurs siècles. Je n'ai pas pu en décoder beaucoup. Quoi qu'il s'y passe, c'est bien caché. J'ai regardé vos anciens rapports de mission. Votre mère était endoctrinée. Oui. Nous avons dû la tuer. Et vous avez continué de vous battre. Mais d'autres pertes sont à venir. Alors armez-vous de courage. On ne peut pas ignorer que des gens meurent. Les moissonneurs sont sans pitié. Mais pas nous. C'est leur indifférence qui les rend si forts. Alors montrons-leur qu'il y a d'autres façons. Ma ville. Vous n'avez pas le temps de pleurer. Nous sommes exposés ici. Commandant, on le sait. La barrière a été percée. Commandant, on parlera plus tard. Rappelez sur ce canon là-haut. Cible ennemie. Contrez-les.
Faites-moi voler cet aéronef! Bouchez ce trou! On s'en charge! Que quelqu'un me dise où sont nos snipers! Oui, chef! Commandant, je suis le lieutenant Kurine. On nous a dit de vous attendre. Mes ordres sont de défendre cette zone coûte que coûte. Consolidez la barrière! Mais notre périmètre s'effondre. Je refuse de laisser mes soldats ici. C'est important. On a besoin de vous. À moins que vous ne me donniez une bonne raison de rester, on ne mourra pas pour un champ de débris. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur moi exactement? Votre nom, c'est tout. Les détails de la mission étaient confidentiels. Nous allons donc mourir sans savoir pourquoi. Je sais ce que c'est, mais faites confiance à votre hiérarchie. Nous ne sommes même pas sûrs qu'elle existe encore. Alors que faisons-nous là? Nous recherchons une relique cachée dans le temple. C'est important. Sérieusement? Tout ça pour ça? Un de nos avant-postes a essayé de joindre les scientifiques là-bas, mais sans succès. Bougez-moi cet aéronef! Désolé, commandant. Votre relique a tenu jusqu'à maintenant. Elle peut bien attendre encore un peu. On a perdu assez de monde aujourd'hui. Je donne l'ordre de la retraite. Non! Ferrani Kurine, vous avez voulu devenir soldat dès que vous avez posé les yeux sur le Destiny Ascension. Mais la guerre vous a épuisé, vous êtes démoralisé par la défaite, et vous doutez d'avoir la force de poursuivre le combat. Par la déesse, vous êtes... Vengez votre volonté, ainsi vous pourrez vaincre. Il sait de quoi il parle. Je n'en doute pas. Ici le lieutenant Kurine. Maintenez la position. Je veux un chemin tout tracé jusqu'au temple. Avant-poste de Tikis, vous avez de la compagnie en approche. Toute la galaxie va savoir que cette guerre a été gagnée sur Tessia. Donnez tout. J'étais venue il y a des années. Voir la ville brûler ainsi. Nous la reconstruirons. Préoccupez-vous des 20 prochains mètres. Attention! De la force dans votre colère, ça vous tiendra en vie. Souvenez-vous-en parce qu'ils arrivent. Ils arrivent en plein course, mettez-vous à couvert. Repoussez-les. C'était le dernier. Alors bougez, dégagez du pont! Sur ce bâtiment, on a fait ce bâtiment. Non! Salaud! Restez concentrés, Lyra. Ces chauds de massacre, mon peuple! Alors penchez-le! Dispersion et à couvert! Gare au plan, empêchez les débordements! D'accord, on y va avant que d'autres nous tombent dessus.
Je ne peux pas regarder ces choses. Mes propres sœurs... Pendant la guerre, les moissonneurs ont utilisé nos enfants contre nous. C'est inconcevable. Ils ont supposé que nous hésiterions à les tuer. C'était le cas? Quelle réponse vous plairait le plus? Aucune. Parlons d'autre chose. Au-dessus! Nous avions cessé de croire aux démons. Nous avons changé d'avis lorsque les moissonneurs sont arrivés. Devant, à gauche! Stasher sur le balcon! Ce sont des Asari. On doit pouvoir les rejoindre. Ginevra vient d'être tuée par l'ennemi. N'écoutez pas. Toujours pas de signe de lui. Quel est votre statut? L'effectif des forces ennemies a triplé. Attendez. C'est pas. Attention! Combien de temps pouvez-vous tenir? Maintenant que vous êtes là, autant qu'il faudra. Vous pensez vraiment pouvoir gagner? Une fois dans ce temple, les moissonneurs seront de l'histoire ancienne. Alors servez-vous en équipement et allons écrire l'histoire! Bien visé! C'est le dernier! Dépêchez-vous, commandant! Vers le moissonneur! C'est une voie de sortie! Vous avez des notions de fuite intéressantes! Pas le choix! Le cauchemar ne s'arrête jamais. Pas tout seul. Si nous attrapons cet artefact, nous pourrons nous réveiller. Cherche l'avant-poste de Tikis. Il est droit devant vous! Et le reste de votre unité? Tous morts! On a essayé de retrouver les scientifiques, mais... Il ne reste plus que moi! On peut appeler des renforts? Nous avions bien des aéronefs, mais ce moissonneur a corsé les choses. C'est trop risqué! On a besoin d'eux. Il faut qu'on entre dans ce temple. Les pertes sont inévitables. Dans ce cas, c'est la seule chose que je peux vous promettre. Des pertes. Volée de serre! Ici l'avant-poste de Tikis! Il y a encore quelqu'un sur cette fréquence? Besoin urgent de renforts aériens! Je suis avec le commandant Shepard! Bien reçu, ici serre 1, je suis en chemin. Serre 5 en approche. Cible au sol confirmée! Les armes chauffent! Allumez-les! Commandant, je vous couvre d'ici! Commandant Shepard, je vous couvre. Yeah.
Nous devons les rendre utiles. On dirait que la voie libre. Allons-y. Le temple semble avoir été barricadé. Laissez-moi regarder. C'est un chiffrement de type militaire. Je devrais pouvoir le décoder. L'armée et la religion vont toujours de pair chez les Asari. Non, c'est très étrange. Surtout que la doctrine d'Atame n'a plus beaucoup d'adeptes. Eh oh ! Y a quelqu'un ? Curieux. Vos scientifiques devraient être là. Jetez un coup d'œil aux alentours. Ce qu'on cherche est peut-être un des artefacts. J'imagine que ce sont les scientifiques. Leur gorge. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Elles ont la gorge tranchée. Ce ne sont pas les moissonneurs. Il va falloir chercher qui est derrière ça par nous-mêmes. C'est censé être qui ? La déesse Atame elle-même. Une relique de l'ancien culte. Pourquoi Atame parle-t-elle protéen ? Que voulez-vous dire ? Il y a quelque chose ici, je le sens. Dans ce temple ? C'est vrai que son parfait état de conservation est étrange. Bien qu'Atame soit importante dans notre histoire, on croyait d'abord que nos dieux étaient séparés du monde, qu'ils veillaient sur nous. Une énergie unique. Il y a une balise protéenne. Vous en êtes sûr ? On n'oublie pas ce genre de choses. Mais pourquoi la cacher ? Le pouvoir, l'influence, votre peuple amasse le savoir de mon espèce pour leur propre intérêt. C'est impossible. J'ai du mal à croire que les miens puissent faire ça. Ça expliquerait pourquoi les Asari sont aussi avancés. Ce temple est là depuis des millénaires, assez pour avancer à pas de géant. Ça ne prouve rien du tout. Même quelques données suffiraient à fournir une avance à votre espèce. Où êtes-vous vexé que votre gouvernement ne vous ait pas impliqué ? Laisser ce genre d'informations était une erreur. On ne l'a pas vraiment mérité, on l'a juste décodé. Aucune espèce n'a le temps de la mériter. Les moissonneurs arrivent avant. Sans notre savoir, vous n'auriez aucune chance de gagner cette guerre. Eh bien, si c'est vrai, les Asari auraient dû partager ce savoir. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Rien n'est moins sûr, Shepard. Qui sait ce qui se passe ici ? Je sais une chose, on n'a pas le temps de chercher. Le peu de registres auxquels j'ai accès parle de puiser dans les flots de données protéennes, de reconstruire des matrices. Mais je ne trouve rien de tout ça. Oui. La procédure d'activation a débuté. Par la déesse, littéralement. Cherchez, il doit bien y avoir d'autres pièces. Incroyable. La balise semble vous prendre pour un protéin, Shepard. Ça doit être à cause de l'énigma que vous portez depuis Féros. Ou le protéin qui se tient à vos côtés. Ça s'active. Ce n'est pas une connexion. La fin de la guerre est proche. Trouvez ce qu'il nous faut. Achevez le creuset et savourez la vengeance. Ça ne ressemble pas à une connexion. Continuons à chercher. Là, une autre. Ce n'est pas encore fini. Ceci confirme que les Asari doivent leur supériorité à mon peuple. Et vous deviez les relais cosmodésiques aux moissonneurs ? Où cela vous a-t-il mené ? Donc vous mordez. Bien, ce sera utile. L'activation est terminée. La balise est utilisable. Dépêchons-nous. Cet endroit ne va pas. Faire l'enfeu. Recherche d'un marqueur chronologique, un instant. Chronologie établie, cycle post-protéin confirmé. C'est l'un de nos ordinateurs.
Présence de moissonneurs détectée. Ce cycle galactique a atteint son point d'extinction. Fermeture des systèmes. Attendez. On veut des réponses. À quelle question? Les catalyseurs. Il faut savoir ce que c'est pour terminer le creuset. La mémoire d'un des miens. Je suis Vendetta, une création virtuelle supérieure de Pashek Vran, le responsable du projet que vous appelez Creuset. Il a succombé au moissonneur lors de la bataille de Trambier 9. Votre existence, elle aussi, touche à sa fin. Les protéens étaient tous aussi sombres. Qu'est-il arrivé au Creuset à l'époque? Pourquoi ne pas l'avoir utilisé? Nous avons été trahis. Un groupe dissident soutenait qu'il valait mieux dominer les moissonneurs que les tuer. Notre ordre de bataille a éclaté. Il s'avérait en fait que ces séparatistes avaient été endoctrinés. Je m'en étais toujours douté. Nous voilà maintenant face au même problème. Nos études du passé nous ont amenés à penser que le temps suit des cycles qui se répètent. Comme les attaques des moissonneurs. Pas seulement. Les mêmes pics d'évolution, les mêmes creux de dissolution. Les mêmes conflits surviennent dans chaque cycle, mais de façon différente. Cette répétition est trop fréquente pour être un hasard. On pensait que c'était les moissonneurs qui créaient ces cycles. Possible, mais je suis persuadé qu'ils les subissent tout autant que nous, qu'ils ne les maîtrisent pas. Alors qui les contrôle? Je l'ignore. Sa présence n'a que suggéré. La seule certitude, ce sont ses intentions. L'annihilation galactique, ce gouffre qui s'ouvre devant vous. On n'a pas encore cédé aux moissonneurs. On les combat en ce moment même. Comme à chaque cycle. Mais résister ne suffit pas. Les moyens conventionnels n'auront pas raison d'eux. On le sait bien. C'est pour ça qu'on construit le creuset. On a trouvé vos plans. Le creuset n'a pas été conçu par les protéins. C'est le résultat de multiples cycles galactiques depuis des millions d'années. Chaque cycle y contribue, l'améliore un peu plus, mais jusque-là, personne n'a réussi à vaincre les moissonneurs avec. Alors on sera les premiers. Dites-nous ce qu'est le catalyseur. Écoutez, l'humain. Il est fiable. Je vois que vous êtes l'un des nôtres. Vous êtes protéen. Le dernier. Je suis le dernier espoir de venger mon espèce. J'ai connaissance de votre mission. Pensez-vous que le cycle en cours soit celui de la vengeance? Ils ont gagné le droit d'essayer. Il nous faut des informations. Très bien. Si vous avez suivi les plans du creuset, je vais me connecter à vos systèmes pour aider le catalyseur à... Présence endoctrinée détectée, activation des protocoles de sécurité. Vous... Vous avez tué les scientifiques. Qu'est-ce que vous voulez? Votre attention. Quelqu'un aimerait pouvoir vous parler. Shepard. Comment vous avez trouvé ce lieu? Dans les archives. Votre courtier de l'ombre serait passé à côté. Montrez-vous. Je ne vous raterai pas, promis. Restez dans votre sphère d'expertise, Docteur Tsoni. Grâce à vous, nous pouvons contrôler les moissonneurs. Ou les détruire. Bon sang, Shepard. Détruire les moissonneurs n'apportera rien. Si, la paix. Ils tentent juste de nous contrôler. Réfléchissez-y. Ils pourraient détruire toute vie organique s'ils le voulaient. Rien ne leur échapperait. Vous pensez vraiment que les moissonneurs peuvent nous donner ça? Que vous pouvez les y forcer? Je les connais, Shepard. Je sais comment ils pensent. Je crois que l'ennemi a commencé à déteindre sur vous. Non. Je pense qu'ils ont raison. Pourquoi tuer quand on peut contrôler? Les moissonneurs ont raison? Vous êtes complètement endoctrinés. Vous jouez leur jeu. Vous aussi. Vous perdez votre temps dans cette guerre que vous ne pouvez gagner. Au moins je me bats. Ne doutez pas de ma capacité à les combattre. Je les affronte depuis plus longtemps que vous pensez. Vous ne me connaissez pas. Mes méthodes pour combattre les moissonneurs sont juste plus subtiles que les vôtres. Autrefois, j'aurais pu vous croire, mais plus maintenant. Shepard, tout cela vous dépasse. Vous n'êtes pas en mesure de prendre les décisions à venir. Au moins, j'aurai ma conscience d'être humain pour moi. Vous n'êtes qu'un pantin des moissonneurs. Non.
Il existe une autre voie. L'humanité peut devenir tellement plus... Je termine le creuset et je renvoie les moissonneurs en enfer. Je ne peux pas vous laisser faire. Leng, le commandant a quelque chose qu'il me faut. Veuillez le soulager. Et apportez-moi ces données. Bien compris. Je suis touché! Ouvrez-moi ce que je recharge! Commandant, l'aéronef! À couvert! Je m'en charge! Vous êtes plus lent que je croyais, Gérard. Je dois recharger! Couvrez-moi! L'aéronef, en position! Cerberus vous remercie chaleureusement. Ici Shepard, dites-nous où vous vous trouvez. Je répète, y a-t-il quelqu'un sur cette fréquence? On vous reçoit, donnez-nous votre peau. Le lieutenant est touché, tout notre secteur se fait battre. Où en est Shepard? Est-ce qu'il a atteint le temple? Je les ai vus. Hé! Un moissonneur en approche! Ah! Alors, est-ce que quelqu'un reçoit? Je... Que le dis? Commandant Shepard, c'est bien vous? Commandant? Conseiller, la mission. On a perdu le contact avec Tessia. C'est le silence radio. On pourra déployer le creuset dans combien de temps? Conseiller, j'aimerais que les nouvelles soient meilleures. Nous n'avons aucune information.
passé ? Cerberus était là. On a perdu. Et on ne sait pas comment terminer le creuset. Je ne sais que dire. Quelle était la situation sur Tessia ? De pire en pire. Les moissonneurs y sont en force. Bon. Pardonnez-moi. J'ai des préparatifs à faire pour assurer la continuité de notre civilisation. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Personne. Je suis... désolé. Les forces Asari sont en déroute. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Sortez-nous d'ici. Shepard, personne n'aurait pu prédire que Cerberus atteindrait Tessia avant nous. Rien à battre des prévisions. Tessia est perdue par ma faute, tout comme les données sur le catalyseur. Cerberus se moque de nous, ça peut plus durer. Ouais, y en a marre de ces fils de pute. James a raison. Qui sait où se cache Cerberus ? Personne ? Bon. Il y a quelque chose. Je vous écoute, Trenor. J'ai pu traquer la navette de Kai Leng à travers le relais et calculer sa destination. Mais le signal disparaît dans le système Lera. Évidemment. Il n'a toutefois pas disparu. Le signal est activement bloqué. Comment ? Je ne sais pas trop, mais quelque chose interfère avec les émissions dans cette région de l'espace. Commandant, à part le sanctuaire qui accueille les réfugiés de guerre, le système Lera est pour ainsi dire vide. Trenor, vous pensez que ça vaut le coup d'essayer ? J'en suis sûr, chef. Sans l'intuition de l'officier Trenor, nous n'aurions jamais détecté cette interférence. Si c'est là qu'est allé Kai Leng, c'est là qu'on va. Je connais bien le système, Lera. Le seul agent de Cerberus que j'ai jamais vu dans le secteur, c'était vous. Une piste bien maigre. Espérons que c'est la bonne. Peu importe les pistes. On est allé trop loin pour que Cerberus nous arrête maintenant. Je veux ces données protéennes et le catalyseur, et je ne veux pas d'excuses. Rompez. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Shepard, j'ai appris pour Tessia. On était à deux doigts d'en finir avec cette guerre, Anderson. Vous ne pensiez pas que ce serait si dur, pas vrai ? Dès le début, je savais de quoi les moissonneurs étaient capables. Mais je savais aussi de quoi moi j'étais capable. Et perdre la planète des Asari, ça n'aurait pas dû arriver. Ah, Shepard, vous savez combien de raclées je me suis prise pendant toutes ces années ? Déjà, je ne sais pas comment j'ai survécu à la guerre du premier contact. Les gens m'ont pris pour un héros. Moi, j'étais juste content d'être en vie. Ok, Kai Leng vous a battu. Et alors ? Ça pourrait nous coûter la victoire. Les gars de la Résistance, ils savent que c'est loin, très loin d'être gagné. Ils savent que nos chances de survie sont quasi nulles. On est tous là en connaissance de cause. En ce moment même, je suis assis face à des décombres. Je suis né ici, à Londres, et on dirait bien que je vais y mourir aussi. Alors autant tenter le tout pour le tout avec ces moissonneurs. Je n'ai pas l'intention de tout miser sur un espoir et une prière. À vrai dire, les deux nous seraient d'une grande aide. Oubliez ça, Shepard. D'accord. Anderson terminé. Tessia est tombée, hein ? Les Asari doivent regretter d'avoir entraîné des danseuses au lieu de former des soldats. Ben quoi ? Vous êtes un bon pilote, Joker, mais ça vous donne pas tous les droits. On est en guerre, bon sang. Vous avez oublié ? Vous voyez cette planète ? C'est Tiptree, une petite colonie paumée. Mon père et ma sœur vivent là depuis toujours. Les moissonneurs viennent juste de l'attaquer. Donc oui, commandant, ne vous en faites pas, j'ai remarqué qu'on était en guerre. Ça n'a rien de drôle.
Oui, mais d'après les scans métaboliques de votre armure, vous n'avez pas été aussi stressé depuis le Red Skylien. Depuis Elysium, en fait, où vous étiez seul contre à peu près 10 000 butariens en colère. Et la dernière fois que j'ai vu Anderson, il m'a demandé de veiller sur vous. Le leader de la résistance sur Terre s'inquiète pour vous, et je suis censé vous aider. Joker, c'est gentil, mais je vais bien, je vous assure. Ne me mentez pas. Regardez-vous, Shepard. Vous êtes presque un robot. Et c'est de ma faute. Quand les récolteurs ont détruit le premier Normandie, vous êtes mort à cause de moi. Je ne voulais pas partir et vous êtes revenu. On n'abandonne pas un pilote comme vous, Joker. Ouais, bon, c'est vrai que ça aurait fait tache sur votre rapport. Allez, le travail n'attend pas. Shepard, vous n'y êtes pour rien. C'est pas une raison. J'aurais dû les arrêter. Ce n'est pas fini. Tali, cette fois je ne sais pas si je vais pouvoir. La Terre, Palaven, Tessia... Je risque tout pour construire le creuset alors que je sais même pas ce qu'il peut faire. Je suis qui pour prendre cette décision? Celui qui a vu juste, depuis le début. Vous avez pris les armes alors que tout le monde baissait les bras. Vous y arriverez. Je le sais. Désolé, Shepard. Ça va? Ça va. Yara? Je ne sais pas. Bon, je vais lui parler. Merci. C'est pas quelque chose qu'elle doit affronter seule. C'est pareil pour vous. Bien sûr. Vous avez des nouvelles de votre famille? Ils ont pu fuir Palaven. C'était juste, mais ils vont bien. Les bonnes nouvelles sont toujours les bienvenues. Il en faudrait plus. Pourquoi? Je viens de conseiller une action radicale au Primark. Nos flottes se font tailler en pièces. Je lui ai donc conseillé de cesser toute action offensive contre les moissonneurs. Une retraite totale? Le seul moyen de sauver Palaven est de réserver nos bâtiments pour couvrir le creuset. Si je me trompe, alors de nombreuses familles turiennes n'auront pas autant de chance que la mienne. Si ça peut vous aider, j'aurais donné le même conseil au Primark. Ouais, encore une histoire de calcul froid. Comment vous vous sentez, Shepard? Ça doit être vraiment fatigant. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Vrai, mais pas comme ça. C'est sauverait une fois mille. On gagnera, comme toujours. Ce n'est pas vrai! Nous avons mérité notre place dans la galaxie! Cessez de nier la réalité, Asari. Votre peuple a hérité du savoir protéen par la balise. J'ai un nom! Liara Tsoni! Et j'aimerais que vous l'utilisiez... Hé, on se calme! Ma planète vient d'être détruite! Et tout ce que vous faites, c'est jubiler! Javik... Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez des excuses à Liara. M'excuser de la vérité? De n'avoir rien fait de plus. Vous êtes un protéen. Vous auriez dû avoir toutes les réponses. Pourquoi vous n'avez pas pu empêcher ça? Nous pensions que vous le feriez. Nous avons compris le potentiel de votre peuple, il y a bien longtemps. C'était évident. Sagesse, patience. Vous étiez le meilleur espoir de ce cycle. Alors, vous avez été guidé quand c'était nécessaire. Eh bien, ça n'a pas marché. Vous respirez encore, pourtant. Votre planète est tombée, mais tant qu'une Asari reste en vie, le combat continue. C'est aussi vrai pour les protéins, je suppose. Le désespoir est la meilleure arme de l'ennemi. Ne le laissez pas s'en servir, Liara Tsoni. Vous pensiez vraiment tout ça? Elle le croit. Alors elle se battra encore. Ce n'est pas ce qui compte le plus, commandant. Continuez. C'est grave. Je n'ai jamais vu Liara dans cet état. Même pas après Noveria. Vous pouvez lui parler? Vous la connaissez depuis aussi longtemps que nous. Et avec Palaven... Je ne fais que lui rappeler le nombre de gens qui meurent. Vous devriez lui parler. J'ai récupéré ma planète. Elle vient de perdre la sienne. Ouais. J'ai pas de formule magique. Elle a besoin de temps. Passez la voir plus tard. Je vais parler à Liara. Merci, Shepard. Comment c'est arrivé, Shepard? Toute ma civilisation. L'histoire des Asari. Les protéins ont permis tous ces mensonges.
Et j'ai abandonné les miens pour chercher le catalyseur. Liara, vous n'avez rien à voir avec l'attaque sur Tessia. Rien à voir, vous croyez? J'avais dit aux gens de Tessia qu'on les sauverait. Combien d'Asari sont mortes parce que j'ai demandé leur aide? Aucune. Ce n'est pas vrai, Shepard. Ça fait 4 ans que vous mettez en garde votre peuple, Liara. Vous n'avez rien à vous reprocher. Si on est assez rapide, elles pourront survivre et recommencer. On a peut-être perdu Tessia, mais pas les Asari. Ce que je peux faire, c'est aider les réfugiés. Je leur dois bien ça. Vous trouvez toujours des solutions. J'ai encore besoin de temps. Mais merci.